Le 16 septembre 2023 marquait la formation d'une alliance stratégique entre les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Cette coalition avait pour ambition de combattre les groupes armés présents sur leurs territoires respectifs, unissant leurs forces pour faire face à une menace commune qui déstabilise la région depuis plusieurs années. Un an plus tard, il est temps de dresser un bilan de cette initiative. Les trois pays, confrontés à des défis sécuritaires croissants, ont cherché à mutualiser leurs ressources et à coordonner leurs actions militaires pour maximiser l'efficacité de leur lutte contre les groupes armés. Cette alliance a permis de mener plusieurs opérations conjointes qui ont, selon les autorités, affaibli certaines factions rebelles et rétabli une forme de contrôle dans certaines zones critiques. Toutefois, les résultats restent mitigés, car de nombreux défis persistent, notamment en raison de la complexité du terrain et des capacités logistiques limitées. Malgré les efforts déployés, la situation sécuritaire dans la région sahélienne demeure précaire. Les attaques sporadiques et les incursions de groupes armés continuent de menacer la stabilité des États membres de l'Alliance. Les observateurs soulignent la nécessité d'un soutien international accru et d'une approche intégrée qui inclut le développement économique et social, afin de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et de garantir des résultats durables.